Là, aujourd'hui, c'est un jour de vote. Nous sommes là aujourd'hui pour choisir le 5e président de la République du Sénégal. Et ça se passe très, très, très bien. Alhamdulillah, toutes les dispositions ont été prises pour que ça se passe comme il se doit. Et là, heureusement aussi que nous avons tous les Sénégalais quasiment qui sont mobilisés très tôt pour venir faire leur devoir citoyen. Et alhamdulillah, nous espérons qu'aujourd'hui, à la sortie de ces élections, nous aurons un nouveau président, forcément parce que le président sortant ne se représente pas aux élections. Donc aujourd'hui, on est venu pour faire notre vote. Alhamdulillah, Rabbil Alami, par rapport à notre bureau, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et également aujourd'hui, on vote pour la rupture. On vote pour la rupture, on vote pour Diomaye président. S'il est le président aujourd'hui, c'est un président intègre. Avec lui, on a la foi que notre Sénégal, il sera bien développé, mais également il sera émergent par rapport à toutes les ressources qu'on a. Et il va venir aujourd'hui pour également, faire une rupture par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal. On sait qu'aujourd'hui, bon nombre de Sénégalais, ils sont là parce qu'au niveau du Sénégal, ils n'ont pas pu trouver du boulot. Aujourd'hui, avec Diomaye, il y aura les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le souhait, c'est... moi, je suis là depuis 12 ans au Maroc et je vois que c'est un pays très, très développé. Donc, nous aussi, comme tous les Sénégalais, on veut un pays développé comme le Maroc. Et pour pouvoir retourner chez nous, prendre même des investisseurs ici et les amener au Sénégal. Et on sait bien quelle est la relation que nous avons avec le Maroc. On a de très bonnes relations. Donc, quand on est là, on est en sécurité et tout. Nous sommes très contents de vivre ici au Maroc. Mais notre souhait, c'est que pour le développement du Sénégal et de toute l'Afrique, pour pouvoir retourner chez nous. Donc on voit aujourd'hui des gens qui ont des cartes électeurs et tout, qui n'ont pas pu voter. Et moi je souhaite vraiment que tout le monde sache qu'il y a eu pas mal de gens qui ont leur carte et tout, qui sont venus pour voter et qui ont été sabotés. Et tout ça c'est la part du membre de gouvernement. Et je crois que c'est Macky Sall qui est fautif de tout cela. Nous on représente le parti au pouvoir. Donc on est avec le candidat Amadou Ba. Donc c'est lui qui a été choisi par le président sortant, M. Macky Sall. Donc on le représente, on espère Inch'Allah qu'il va gagner les élections. Donc pour le moment au Maroc, un peu partout dans les villes, tout se passe bien. Donc les gens sont venus voter massivement. Donc ça témoigne vraiment du fait qu'aujourd'hui les jeunes sont conscients, la jeunesse elle est consciente comme quoi c'est nous qui représentons la relève, au niveau du Sénégal. On est contente d'être là et on espère Inch'Allah que tout se passe dans la paix, dans la sérénité, que le meilleur gagne et que ce soit le président Amadou Ba qui a été choisi par le président Macky Sall.